Hey, bien salut à tous et à toutes, ici Narco Outtag. Bienvenue pour ce 7ème, il me semble, épisode de Talos Prince. Si peu les gars, et là on vient d'arriver en Égypte antique, mais c'est genre l'amour, quoi, l'amour, l'amour. Bon les gars, ce sera un épisode un peu plus court que les autres, enfin plus court, une vingtaine de minutes, hein, je pense que c'est pas trop mal. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on veut débloquer ça en premier nous, hein. C'est les trucs jaunes, donc on va partir au numéro 1. On va voir un petit peu le niveau de difficulté du bordel. Ah bah c'est que le jaune. C'est parfait, on est parti. Allez, let's go now. Alors, H. Es-tu là, ami Elohim de l'amour? Coucou le PC. On va les ignorer les PC les gars, ça va partir trop en couille sinon. Et c'est beau hein. Et c'est beau hein. Plongeage. Oh. Wouah, l'Egypte les gars, quoi, l'Egypte. On va partir là-bas en premier. Hein. On a entendu... Oh, c'est quoi ça, regardez. Prendre, peindre... C'est quoi ça? Prendre, peindre. Toi, t'as toujours la traduction qui est au top, hein, mon frère. Hein. Pour moi, prendre, peindre, c'est plutôt prendre peinture. Peut-être qu'il faut peindre un truc avec. On va laisser là pour l'instant, hein, parce que bon... Useless. Alors, fenêtre à travers une porte. Ok, alors là. On a... Alors, le sigil, il est là-bas, au Kamzer. Toi-même, tu sais. Là, il y a... Oh, il y a une échelle, donc il faut aller par là-bas. T'as la musique, là, elle est devenue... d'une bizarre weedy taille. Alors, toi, tu vas tirer un laser. Ok. Alors, prendre le machin, le connecteur. Alors, le connecteur. Qu'est-ce qu'il faut connecter des frères? Je sais pas. Pour l'instant, on va faire ça. Peut-être là-bas, regardez. On va faire ça comme ça pour l'instant. On est pas mal. Toi, tu fais quoi? Toi, t'es pété, tu nous fais pas mal. Hein. Encore un connecteur. Ok. Et donc, je suppose qu'il va falloir connecter un truc par là. Voilà, c'est ça. Donc, on va prendre lui. Mais on a notre ami qui va nous couper la route de temps en temps, c'est ça? C'est exactement ça. Donc là, on a juste un laps de temps suffisant pour passer. Oh, c'est bon, j'ai compris. Ah, attendez. Je ne comprends pas celle-ci. J'ai pensé que j'allais essayer et faire des progrès ici. Mais honnêtement, c'est une tâche ingrate par rapport à ce qu'il y a d'autre là-bas. D'accord. La cour. Ben là, je suppose qu'on s'en fout maintenant du connecteur, non? Mais pourquoi on a un autre connecteur? Il y a un autre truc là-bas, du coup? Ah, bien sûr qu'il y a un autre truc là-bas. Coucou. Ah, du coup, lui, il va mettre tellement plus longtemps. Donc là, c'est bon. Je sais comment on va faire, les gars. Sans aucun problème. Donc, on va récupérer lui, déjà, dans un premier temps. Alors, comment on fait pour courir, déjà? Je m'en souviens plus. C'est pas Alt. C'est pas Shift. Je m'en souviens plus, les gars. Ah, mais peut-être aussi, si je joue avec ZQSD, ce sera mieux. Bref. Donc là, nous, ce qu'on veut... C'est récupérer le faisceau là-bas. Donc on va mettre ça comme ça et comme ça. Et peut-être que lui de là-bas, on va pouvoir voir un truc. Ah ah. Moi je pense que c'est comme ça les gars. Donc ouais, ouais regardez hein. Toc. Toc et toc. Et voilà. Normalement ça reste ouvert. Lui n'a absolument plus aucun impact. Voilà. Comme ça c'est parfait les gars. Comme ça, lui, il reste ouvert en non-stop. Et on n'a plus de coupure de trajectoire, on va dire ça comme ça. Hein. Et donc là, voilà. Là, il a le temps de charger sans aucun problème. Allez. Et voilà. Et ça y est, on a fini. Ça, premier sigil, les gars. Fait en 2 minutes chrono. Pas vraiment, vraiment de difficulté pour l'instant. Donc là, on va terminer le premier, le fan. Il y avait le ventilateur. Alors on va prendre ça parce que ça peut servir à autre chose. Je sais pas à quoi, enfin bon. Et donc on va faire les trucs qui correspondent aux fans. Hein. Par là-bas. Alors attendez, comment on saute là du coup? Ah bah oui. Mais du coup je suis pas sur le bon truc. Ya! Oh je suis réussi à sauter, wesh. Alors, du coup ZQSD. Et là je cours. Voilà. Bon alors, vraisemblablement ici, il n'y a pas grand-chose.
Pas très très grave. On va avancer et puis on va poser, vous savez, ça ici. Voilà. Alors le fan, il nous faut. Ah oui, il nous faut lui. Ça c'est sûr. Donc on va se faire lui. On va essayer de débloquer le fan pour cet épisode. Le fan, le ventilateur. On va appeler ça par son nom. Hein. Alors ici on a un connecteur. Ah, il y a une étoile, les gars, il y a une étoile ici. Ah, moi je veux l'étoile. Alors lui c'est le bleu. On est d'accord. Donc lui il ira là comme ça. Et le bleu, il est là, donc il faut que je me recule à fond, à fond, à fond, à fond. Et que je le passe. Et là c'est bon. Ah. Toi t'es pas sympa, bro. Je suis peut-être un. Oula! Il peut me taper quand même. Frère, c'est pas très gentil. Bon alors. Hop. Il n'y aura jamais le temps de charger. Ah, attendez. On va réflexionner. Non, là, il le passe pas, là. Par où on pourrait passer, les gars? Regardez, c'est pas un truc en hauteur. Parce que moi, concrètement, je pourrais le mettre là. Mais là, on a quand même une coupure, hein. Et ça, juste une question. Ça marche pas, ça. Alors voilà. Donc, c'est bien ça et ça. J'essaie de lui donner le plus d'amplitude possible. Tac, pour qu'il ait le temps de charger le plus longtemps possible. Ah non, ça passera pas. Et en plus, regardez, hein, à mon avis, il y a bien autre chose à faire. Ici, donc on va farfouiller. Ici, on a juste un laser. Là, on a un truc rouge. Là, on peut pas y aller. Mais c'est juste ça l'épreuve, les gars? Là-bas, y a pas un truc? Pourquoi y a un truc qui brille là dans l'angle? Défaut de texture, je sais pas. Non, les gars, il y a clairement autre chose à faire ici, hein. Quoi, je n'en sais rien pour l'instant. Mais juste ça, c'est juste pas le niveau, quoi. Il n'y a pas un truc à pointer autre part. Là, les gars, je vais vous dire, j'en sais rien du tout. Donc, pour l'instant, on va le poser. Je suis en train de réfléchir. C'est peut-être tellement con. Vous êtes en train de me gueuler dessus, comme d'habitude, hein. Mais là, pour l'instant, je suis désolé, mais je vois pas. Je vois pas, je vois pas. Il n'y a pas un truc de caché. Il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, peut-être qu'il faut débloquer un fanion, justement, ou un objet, un autre objet. On n'est pas la moindre idée. C'est quoi les objets qu'il faut débloquer? Il y a un autre truc, c'est le truc holographique, ouais, ok. Ma foi! Bon, est-ce que la peinture, elle va servir à quelque chose ou pas? Ici. Ah, par là-bas, il y a aussi moyen d'avoir le ventilateur. Peut-être que le ventilateur va apparaître dans le truc, vous savez. Pour le surélever, je sais pas. En tout cas, on va se concentrer juste sur les trucs pour le ventilateur. Donc, à droite et à gauche. Bon, on va se faire le même sigil que précédemment. Mais c'est notre truc. Troisième roue. Ok. Alors, les gars. Alors, les gars. Ici, on a un connecteur. Bon. J'ai entendu un tic-tic. Oui, c'est ça. Donc, on a un rouge, on a un bleu. Le rouge, il est là. Je regarde s'il n'y a pas moyen d'avoir une amplitude. Ah, non, là je suis un peu trop con. Voilà, ici ça va passer. Ici on a un autre connecteur, les amis. Hop. Pour le bleu, eh ben le bleu on va faire juste comme ça. Et comme ça. Hop. Mais du coup un peu plus loin. Ah, ça va se couper avec le rouge. Fuck. Oula, j'ai eu un micro freeze, vous avez vu ça les gars? On va récupérer ce connecteur là. Allez, merci. Et là on va se faire un petit. Vous allez voir ça, regardez. Hop. 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 Et lui. Hop. 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 Et hop, comme ça il n'y a pas de tir croisé. Mais non, mais. Je veux pas. Je veux juste toi. Et toi en fait. Arrêtez de faire de la merde, Marco. Voilà, comme ça, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Très bien, les enfants.
Ah, c'est moins bien. Bon, il va falloir amener un connecteur quelque part. Alors, est-ce qu'il y a moyen... On va essayer de prendre l'angle le plus petit possible. Alors là, il passe pas. Ah. Là, ça marche. Là, ça marche plus. Là, ça marche. Hop. Mais non, pourquoi t'as appuyé, bâtard? Hop. 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 Non. Hop. C'est bon. Là, ça marche. C'est au poil de cul près, les gars. Donc là, c'est... Hop. Ouais. Regardez, ça marche, mais c'est vraiment au poil de cul près, les gars. C'est vraiment au poil de cul près, mais ça passe. Pas de soucis, donc cette fois, on pose ça et on récupère le sigil, là. Parfait, ouais. On a encore un petit peu de temps. On va essayer de se faire le troisième pour avoir le... Le ventilateur à débloquer ce... Cet item qui pourra nous permettre, je pense, d'avancer un peu plus, hein. Eh ben regardez, il y en a deux. Un là, et un là-bas. Lui, il m'inspire plus. On ira à celui du fond après. Au-dessus de la clôture. Ah. Ah, on a ça. On a le retour du brouilleur. Oui. D'accord. Voilà. Je récupère le brouilleur. Voilà. Jusque-là, tout me permet bien. C'est sérieux, les gars? C'était aussi gratuit que ça? Je suis un peu choqué dans ma tête. Bon bah les gars, on va se faire lui là-bas. On va se faire lui là-bas parce que là c'était gratuit mais d'une violence. Allez, c'est parti. En même temps c'est niveau 1, hein, vous me direz. Alors, route de la mort, d'accord. Le sigil est ici. Ici on a un escalier. What? Reste tranquille. Hop. Oula. Le brouilleur, je pense qu'on sait à quoi il va servir. Voilà, au camzer. Ah bon. J'ai compris, je sais comment on va faire. Alors, on va arrêter ça. On va faire en sorte qu'il aille le plus loin possible. Allez, reviens, amigo. Alors, il y en a combien? Il y en a 4. Est-ce qu'avec un seul brouilleur, il y a moyen de faire un truc? Il faudrait l'amener, en fait, à tirer dessus. Pourquoi cet arbre, il a fait pst, genre comme dans un monde virtuel, sérieux? Allez, le plus loin possible, dès que... Hop, voilà, parfait. Et comme ça, ça. Ici. Tac. Et normalement, si j'enlève le brouilleur... Voilà, t'es bloqué. T'es bloqué. Vous ne pouvez pas... Oh, sérieusement? Et je peux genre le poser là, monter, le récupérer d'en bas? Bien sûr que non. Je suis un peu déçu de ma vie. Ah, bon. Je crois que j'ai trouvé, les gars. En fait, je suis sûr, c'est un gros leurre. Vous allez comprendre de suite pourquoi. Donc, toi, ciao. Toi, ciao. Je crois que j'ai compris le leurre. Hein. Hop. 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 Je monte. Et lui, je peux le récupérer de là. Je le pose et c'est fini. Un gros leurre. Voilà, tout simplement les gars, c'était vraiment très simple, il fallait juste se mettre à la place du jeu. Maintenant ça y est, hein, j'ai compris les mécaniques du jeu. Tu ne pourras plus m'avoir comme ça, petit jeu. What? Arrête! Au temps de tes ancêtres, certains n'avaient pas choisi le chemin de la foi. Tu ne dois pas avoir peur des fantômes. Crains uniquement de devenir comme eux. Certes. Vu comme ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il m'en fait un petit peu peur, le bâtard. Là. Alors, on en est à quoi? Oh, on n'a pas fait beaucoup de... Ok, donc là, il faudra... On va juste lire le message qui est là-bas. Si, je l'ai déjà lu. Je suis pas sûr d'avoir déjà lu. On va quand même y aller vite fait. J'ai fait une boîte flottée. Vraiment, c'était génial. Ok, frère. Il y a plein de trucs comme ça de partout, là, de QR code. Alors, il y a des dangers cachés dans ce nouveau monde. J'ai inexplicablement échappé à la mort d'un grand nombre de fois. Je suggère
pardon, vigilance, qui sait ce qui arrive à ceux qui marchent négligemment trop souvent. Ça veut rien dire, la traduction est complètement buggée, les gars, comme d'hab. Là-bas, on ira plus tard quand on aura débloqué le ventilateur. On a toujours ce saut de peinture. Je sais pas du tout à quoi il peut servir, il y a les ordinateurs là-bas. On va retourner au téléporteur, les gars, on va peut-être juste vite fait regarder dans l'ordinateur s'il y a un truc. Mais je pense qu'on va pas s'attarder sur les ordinateurs. Je vous ai dit que je ferais des épisodes un petit peu spécial PC, mais bon. Dites-moi quelque chose, faites-vous toujours ce qu'on vous dit? Bah non. Non, je demande seulement parce que je pouvais pas juste remarquer la cachette de babioles de couleur vive que vous collectionnez. Vous ne trouvez pas cela tout petit et étrange que cette grande voix dans le ciel ne cesse de dire que vous trouverez ces bidules, mais vous interdisez de les utiliser pour monter cette saloperie de grande tour au milieu de tout cela? C'est vrai. Vous me testez, je dois résister à la tentation de la tour. Je vais grimper quand je serai bon et prêt. Oui, les gars, on va monter. Bon, pas besoin de vous vexer, vous seriez étonné de voir combien ne font ce qu'on... Combien ne font ce qu'on leur dit sans réfléchir par eux-mêmes, mais peut-être que vous êtes différent. Mais par contre, peut-être que vous êtes exactement le même. Peut-être que tout le monde grimpe la tour et la seule façon de gagner est de rester ici avec les mortels. Ah ah, c'est vous de me manipuler. Eh oui. Non, en fait, je suis tout à fait en faveur de que vous fouillez là-haut. Si ce n'est que pour voir ce que vous trouverez. Ce doit être quelque chose de juteux si c'est interdit par son Altesse. Ou bien peut-être pas. Je m'en vais alors. Je voulais juste passer ici et causer un peu d'interférence. Quoi que vous fassiez, prenez soin. Vous avez de plus grands problèmes que la voix dans les nuages. Vous n'aimez pas dire son nom? Ouais, j'avoue, il peut pas dire Elohim. Terminé. Termination, session support terminée. Reprise de la session de bibliothèque d'archives. Et voilà, elle a quitté. On repart dans les archives, donc l'interface artificielle essaye de nous communiquer des choses pas très nettes. Il veut pas dire Elohim, mais il a peur, on ne sait pourquoi. Et là, vous avez vu, les gars, on n'a pas eu de lag sur cet épisode, hein. Ça fait plaisir quand même. Hein. Bon alors, du coup, on peut débloquer ça. Allez, au Kamzer, on va réfléchir vite fait, bien fait. Ça va pas l'air très compliqué. Alors, attendez, on va faire comme ça, on va faire comme ça. On va faire... Ah, c'était dans l'autre sens, ok. Donc, hop. Hop. Ah, fuck. J'aime pas ces énigmes, les gars. J'aime pas ces énigmes. Ah, ce que je déteste, ces énigmes. Ah, si, comme ça, regardez, c'est bon. Ok, et là, les deux rentrent. Un comme ça, et un comme ça. Ouf, c'est bon. Très bien! Et j'ai débloqué. Le fan. Le fanion, le ventilateur. Piouf. On peut plus. Adios! Ah, je fais bégueuler le jeu, tu sais. Au revoir! Et voilà, on a débloqué le fanion pour l'épisode prochain. Il nous manque 4 sigils, on va essayer de débloquer ça. Débloquer ça, ça, là. Et puis après, on a combien de portes, là? 7 aussi. On n'a pas eu l'étoile hein, dans un truc, bah, en même temps, on y reviendra. Bref, bah, les gars, c'était un peu plus court, mais j'espère que vous avez quand même apprécié cet épisode numéro 7 de Talos Principle. Je suis bien conscient que les Let's Play sur Tales of Symphonia et The Talos Principle, vous les regardez beaucoup moins que les autres vidéos de la chaîne, que ce soit les vidéos de bouffe, les jeux présents de vos chaînes ou etc. Mais je vous informe quand même que, bah, moi, ça me plaît de faire des Let's Play comme ça et j'espère vraiment que vous suivrez la suite de cette aventure sur The Talos Principle. C'était Narco, à bientôt tout le monde.